This is the story of a rise of an extreme type of politics. J'ai pas su retenir mes larmes. Mais c'est pas parce qu'on parle d'immigration qu'on est forcément raciste. C'est pas parce qu'on parle de sécurité qu'on est forcément fasciste. A politics that threatens to upend Europe and its post-war consensus. Je pense que l'Union européenne, comme elle est pensée aujourd'hui, ne peut pas perdurer. It's here, in this northern corner of France, where solidarity was once forged in the old mines and textile factories, that political revolution is underway. It's the story of Hénin-Beaumont, a post-industrial town, a former socialist stronghold, now a National Front fortress. Le bassin minier, c'est un territoire où la droite n'a jamais existé. Hénin-Beaumont is a classic tale of deindustrialization and of a population who felt abandoned by traditional politics. Of how a proud working class town fell apart and how Marine Le Pen's far right stepped in to capitalize on its decline. Je suis persuadé que Marine Le Pen sera élue. Now she's moving the National Front Party from the far right fringes to the heart of the political debate. Le rejet de la politique porte le nom d'un parti, le Front National. Le rejet de la politique porte le nom d'une famille, et quelle famille? Le Pen. Is Hénin-Beaumont the sign of things to come across the nation? And is the daughter of the divisive politician Jean-Marie Le Pen an heiress to what was long perceived as a toxic political party about to transform French politics for good? The northern tip of France used to be coal mining country. The work wasn't easy, but there was camaraderie, jobs for life, pride in your occupation, housing for your family and security in retirement. There were jobs aplenty. Immigrants came from southern Italy, Poland, Hungary, and in the 60s and 70s from northern Africa, lured by the prospect of stable employment and decent schools for their children. But with increasing competition from cheaper labor cost countries, the mines closed one by one, the last one in 1990. Many textile factories in Roubaix and Tourcoing followed suit. And just as the mines and textile factories closed, so support for the National Front has slowly increased. But it wasn't until 2015 that the party became a genuine threat to the political establishment, with 42% of the vote. After the Second World War, being a miner or textile worker usually meant being communist and a member of the powerful CGT union. Brigitte Petit has lived here all her life, a communist party activist steeped in the region's political history. Her father was a union man, representing the workforce at the mine by day. But today, her family, like her region, have been seduced by Marine Le Pen. Mon père était conseiller municipal. On a tous vécu avec lui des choses où il fallait se battre. Brigitte worked in the textile industry until her factory closed. She struggled to find another job and now works as a childminder. While she remains a committed communist, much to her dismay, some of her former colleagues and even members of her own family have already switched to the National Front. Combien de fois je peux dire à mes enfants, vous savez, Front National, je fais partie du Parti communiste, le lendemain je peux être sur la place en train de me faire fusiller. Donc vous voyez, moi, pour moi, ça reste ça le Front National. Et pour moi, c'est terrible. In the past few years, the FN has gained tremendous strength in the region. The far-right party won the former socialist town of Hénin-Beaumont in municipal elections in 2014. A year later, Marine Le Pen won the first round of regional elections with more than 40% of the votes. Centre-right candidate Xavier Bertrand only managed to beat her by winning votes from the centre-left in the second round. Hénin-Beaumont, a former coal mining town with 27,000 inhabitants, is now FN territory. And it's fertile ground. Poverty is rife, and the former socialist mayor has been convicted of embezzlement.
It's one of the 12 towns the far-right party won or backed in municipal elections 3 years ago across France. And it's with these towns that Marine Le Pen seeks to show her party is normalizing. Café Culture in Hénin-Beaumont is attuned to the politics. Many of the diners here approve of the FN mayor, Steve Briouat, and tell tales of daily struggles to make ends meet. The list of culprits is familiar. Europe, foreigners, globalization, and the establishment. Dino, son of an Italian coal miner and a former communist, runs Café de la Paix. He voted for centre-right candidate Nicolas Sarkozy in 2007, but no longer trusts politicians. He says he won't be voting in this year's elections, and most of his customers are FN supporters. Front National récolte beaucoup de voix chez les plus pauvres, donc il est vrai que quand on parle de situation de difficulté pour l'emploi et qu'on parle de faire de l'aide aux migrants, là aussi, ça fait un choc. Les gens n'acceptent pas. On dit toujours, il n'y en a pas assez pour nous les Français, on ne va pas aider les autres. Like most people in Hénin-Beaumont, Marie-France Defrin, a retired hairdresser, comes from a left-wing mining family. She turned to Le Pen because she feels the situation in France is dire. On doit remettre les étrangers, enfin certains étrangers, dans leur ville. Et puis, je vois M. Briouat qui est FN. Il a fait des choses bien pour Hénin. Il n'y a plus de boulot, tu as des gens qui sont à la rue. En France, depuis l'euro, on nous a enfoncés qu'on ne nous voit plus. Tout est cher. C'est ce que je dis, les gens qui ont ne serait-ce que 3 enfants, leur donner des légumes, des laitages et de la viande tous les jours, ce n'est pas possible. Marine Le Pen is speaking to a new, younger generation here too. Vincent Biermann grew up in the nearby town and comes from a family of miners. The grandson of Polish and Hungarian immigrants, he commutes to Paris, where he works in finance. Marine, ce qu'elle a apporté, c'est plus de crédibilité. Elle a apporté le fait qu'aujourd'hui, on soit en capacité de gouverner. Jean-Marie n'a jamais voulu gouverner. Est un programme qui défend avant tout, qui est patriote et qui défend avant tout les Français. Vincent says the European Union is partially to blame for deindustrialization in the region and that Le Pen will protect the country and its workers. L'Union européenne qui a permis avec l'ultralibéralisme qui a permis à une entreprise d'aller chercher un coût de main-d'œuvre qui est, par exemple, je crois, 10 fois moins élevé en Bulgarie, beaucoup moins élevé en Pologne ou dans d'autres pays. Et j'irai même plus loin, qui a permis aux travailleurs détachés aussi de pouvoir aller d'un pays à l'autre, tout en tapant sur les salaires. Over the road from Dino's Café, fishmonger Olivier Pilot is shopping in the Hénin-Beaumont market. Also from a mining family, he hopes the National Front will improve life for French people. Bon, je suis loin de là, je suis pas raciste. Il y a certains trucs qu'il faudrait revoir pour accueillir les gens, quoi. Parce que on a déjà pas mal de malheureux en France. On en accueille de certains pays. Et le président privilégie les étrangers que les Français. Mais bon, après, je suis pas raciste. C'est vrai qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est la guerre chez eux, c'est ci, c'est là. Mais franchement, en France, on devrait réguler ça. All of this has helped Steve Briouat, a 44-year-old FN official, put an end to 7 decades of left-wing government. Many people have praised his work in power, lowering taxes, fixing the roads, cleaning up the town, and trying to boost the local economy by reinstating the Christmas market. Les peuples veulent un peu reprendre le pouvoir par rapport aux élites. Ils veulent lutter contre cette mondialisation qui met plein de gens au chômage. On le voit ici concrètement. Most are happy with Mr. Briouat, but for Brigitte, his election was a nightmare and another sign that her world is unraveling. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir
qu'à Hénin Beaumont, le maire et Front National, ça a été... Ça a été pour moi terrible. Pour moi, ça a été une catastrophe. J'ai pas su retenir mes larmes. Hénin Beaumont is emblematic of Marine Le Pen's strategy to target disenchanted blue-collar workers to broaden her right-wing party base. The shift, together with the softening of the party's image, has been a major break from her father's era. Jean-Marie Le Pen avait installé le Front National, mais provoqué régulièrement l'opinion publique à travers des saillies verbales sur fleurant bon l'antisémitisme, le mauvais goût historique, le révisionnisme, etc. Donc Marine Le Pen a décidé de mettre fin à ses excès. Elle a un succès puisque une partie des électeurs trouve finalement que le discours de Marine Le Pen est un discours de bon sens qui peut fédérer un nombre d'électeurs importants. Le Pen's Euroscepticism had some worried that a victory for the National Front in the presidential election could be fatal for the euro and may fundamentally change the EU itself. Alors oui, à la sortie de l'euro, on est favorable. On est même favorable à la sortie de l'Union européenne. Et tant mieux, et ce qu'on va faire, on va réorganiser l'Europe, on fera une nouvelle Europe, une Europe qui respecte les peuples, une Europe qui respecte les souverainetés. On peut travailler avec les autres peuples, au contraire, on a beaucoup de points communs, c'est la même civilisation, c'est les mêmes origines, on a une culture quand même commune en Europe, c'est la même religion après tout, même si c'est interdit de dire cela. Despite Le Pen's effort to detoxify the party, even here, in a town with an FN mayor, many supporters are still reluctant to openly back their party in public, fearful that they may be recognized on the street and vilified. Others are openly hostile. The atmosphere in Dino's cafe quickly turned sour when some locals discovered we were filming a documentary about the FN. One man even threatened to smash our camera. On va à l'extrême droite, ne serait-ce que le monsieur qui vous a parlé du Financial Times. Là. Bon, lui, il n'est pas d'extrême droite, mais il en a ras-le-bol de la droite traditionnelle et ne sont pas Front National par essence. Et, ils ont été écœurés du Parti Socialiste. Alors, tout n'est pas encore terminé, puisque... Malheureusement, il y a encore une partie des Français qui pensent que nous sommes le diable, une petite partie, mais une partie quand même. Donc ce processus de dédiabolisation doit continuer pour montrer qui nous sommes vraiment. Ceci dit, on peut se planter comme on est, tout en ayant nos idées propres. Sur l'immigration, je pense qu'il faut être intransigeant. La priorité nationale, ça ne veut pas dire qu'on veut jeter tous les Arabes à la mer, en quelque sorte, parce que c'est ce qu'on peut entendre. Non, simplement, c'est donner la priorité aux Français, quelle que soit leur origine. In the Hauts-de-France region, the FN seems to have reaped the benefit of Le Pen's strategy. After her party's victory in Hénin-Beaumont, in 2015, the FN won nearly a third of the seats in the regional council. With only a few weeks to go before the first round of the presidential elections, National Front councillors are making sure they actively play their role as political opponents here at the regional council in nearby Lille. But mainstream politicians are now fully aware of the danger. The battle to regain the soul of the working classes has intensified. The fight for the working class vote has translated into fierce debates and clashes between the head of the regional council, Xavier Bertrand, and FN councillors. Mr. Bertrand says the regional campaign was a wake-up call. Okay, on parlait des chiffres, on parlait plus aux gens et on parlait plus des gens. Et puis j'ai aussi compris que le Front National pouvait vraiment gagner. Le Front National, c'est le symbole d'un système politique qui ne répond plus aux attentes des Français. Marine Le Pen believes the fact Mr. Bertrand was elected with the help of the Socialist Party will only strengthen her case with voters who think that the right and left are one and the same, and that she alone embodies change.
But to some extent, the Hauts-de-France region highlights the hurdles that Marine Le Pen needs to overcome in the presidential elections. Here, despite her detoxification strategy, she fell short of winning the presidency of the regional council because mainstream voters from the left backed Xavier Bertrand in the second round. The same could happen in the second round of the presidential elections. Donc, le Front National, moi, ça me fait peur. Désespérés qui veulent un changement total. Et bon, ils verront, quoi. Après, je me dis, on verra avec les élections si c'est. Si un jour, c'est le Front National, ils s'apercevront d'eux-mêmes de ce qui peut y arriver, quoi. Oui, je pense que maintenant, tout est possible. Tout est possible. Je pense qu'elle peut gagner l'élection présidentielle. The French election has turned into a battle between Marine Le Pen's protectionist and anti-immigration view of the world and the post-war liberal consensus. And towns like Hénin-Beaumont demonstrate how the FN has burrowed deep into French society. Win or lose the election, Le Pen's party has come out of the fringes and will continue to have a disruptive effect on French politics for many years to come.